Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 2 qui va vous permettre d'XP énormément, très facilement et très rapidement. Alors ce glitch va sûrement être patché très rapidement, donc profitez-en un maximum. Alors le code de la map se trouve en haut de l'écran, vous le voyez actuellement, mais je mettrai le code en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors quand vous arrivez sur la map, vous pouvez soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle et là vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font, franchement, vous êtes les boss et ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Alors petite information avant de vous présenter le glitch, je tiens à préciser que j'ai créé une vidéo qui vous explique comment vous allez pouvoir dépasser la limite d'XP, donc contourner la limite d'XP journalière en mode créatif sur Fortnite. Donc vous aurez aucune limite d'XP, donc ce genre de technique, si vous l'accumulez avec ce genre de glitch, vous pouvez vous faire 1 500 000, 1 million, voire même 2 millions d'XP et monter de 20 à 30 levels en un seul glitch. La technique fonctionne avec tous les glitches, donc n'hésitez pas à aller voir la technique qui sera en description, en commentaire épinglé, si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment la meilleure astuce pour tous les glitches Fortnite. Donc maintenant, quand le jeu est lancé, soit vous le lancez en appuyant sur option menu, lancer le jeu, ou soit vous le lancez, vous attendez le compte à rebours qui se termine. Donc là, très important, j'ai lancé le jeu, maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre 3 minutes et 9 secondes exactement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire prendre des armes pendant 3 minutes 9 secondes, vous ne pouvez pas faire le glitch, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez en attendant. Je vous présente déjà le glitch que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est tout simplement... ici, près du rebondisseur, regardez, prenez des points de repère. Ce que vous allez faire, c'est en face du rebondisseur, vous allez créer 9 rampes côte à côte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, vous allez créer 7 sols côte à côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, vous allez vous mettre sur la plateforme de gauche et vous allez tirer en l'air. Là, regardez, je ne gagne pas d'XP. Je ne gagne aucun XP parce qu'en fait, il faut que j'attende 3 minutes et 9 secondes dès le lancement de la partie. Ici, sur la plateforme de droite, c'est pareil, je ne gagne pas d'XP. Donc là, vous allez tout simplement attendre 3 minutes et 9 secondes au total. Hein. Donc, vous attendez 3 minutes et ensuite, vous allez débloquer, enfin, vous allez tirer sur l'air, sur les plateformes en haut et là, vous débloquerez l'XP. Donc là, je vous retrouve dans 3 minutes, enfin, même moins. Donc regardez, pour vous prouver que c'est bien 3 minutes et 9 secondes, j'ai fait le calcul, vous pouvez faire le calcul aussi par vous-même. Dès que la partie s'est lancée, j'ai regardé le chrono et là j'ai fait moins 3 minutes et 9 secondes. Donc ça, je suis arrivé à un total de 3 heures 49 minutes et 15 secondes. Regardez, je vais tirer 5 secondes avant, donc là ça marche pas, mais dans 3 secondes, 2, 1, voilà, vous avez vu, 3 minutes et 15 secondes, ok? Donc vous tirez sur cette plateforme-là pour avoir deux fois l'XP qui s'affiche. Regardez, j'étais niveau 99. Là, je passe niveau 100. Donc, j'ai gagné une histoire de 100 000 XP, un truc dans le genre. Enfin, de 75 000 XP. Non, même plus. Hein. Je pense que j'ai touché 80 000 XP sur la plateforme de gauche. Maintenant, je vais tirer sur la plateforme de droite. Ah, la plateforme de droite ne fonctionne pas. Ah, si, c'est bon. Ok. Et là, on va voir, hop, regardez, plus 38 000 XP. Et ensuite, plus 44. Donc, j'ai pris une histoire de allez, 120 000 XP. Ah, même pas, plus 7 000. Ouais, j'ai pris 120 000, 130 000 XP, rien qu'avec ce glitch. Et il faut savoir que mon compte est en XP limité. Donc, ça veut dire qu'avec ce glitch, vous allez pouvoir prendre facilement 10 niveaux. 10 niveaux faciles. Non, pas 10 niveaux, qu'est-ce que je dis, moi? Attendez. Avec ce glitch, vous allez pouvoir prendre, franchement, en un tir, enfin deux tirs, quoi, vous allez prendre facile 200 000 XP, vous. Moi, j'ai pris 120, 130 000 XP. Vous allez prendre 200, 250 000 XP rien qu'avec ce glitch. Alors, il faut savoir que si vous utilisez la technique, donc 250 000 XP, ça fait quoi? Ça fait 7, 14, 21. Ça fait 3 niveaux. Vous allez prendre 3 niveaux.
Alors il faut savoir qu'avec la technique que j'ai mis en description en commentaire épinglé, vous allez pouvoir faire facilement 20 niveaux avec ce glitch. Je tiens à préciser que la technique que je mets en description en commentaire épinglé, c'est une exclusivité de ma part et de Johnny34. Et cette technique fonctionne sur tous les glitches. Vous allez pouvoir dépasser la limite d'XP en trollant le jeu en fait. Vous allez troller le jeu va pas comprendre que vous avez déjà pris d'XP. Et franchement, c'est insane. Si vous voulez gagner beaucoup d'XP, n'hésitez pas à aller regarder la technique. Si vous connaissez déjà la technique, faites-le avec ce glitch et vous allez voir, vous allez gagner masse XP. Si vous ne connaissez pas la technique, n'allez pas voir la vidéo maintenant parce que ce glitch-là va être très vite patché. Donc profitez-en avant qu'il soit patché. Et quand le glitch sera patché, vous irez voir la vidéo avec la technique que je vous dis. Par contre, là, si vous n'avez pas regardé la vidéo et que vous ne connaissez pas la technique, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu, même pas, vous retournez à l'accueil, ensuite vous retournez dans le portail où il y a la map et vous recommencez le jeu en illimité pour regagner un maximum d'XP. Mais si vous connaissez la technique ultime, bah là franchement vous allez vous faire 20, peut-être même 30 niveaux, ça va être un truc de ouf. Franchement, profitez-en un maximum. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapimec et ciao. Peace.